Les entretiens du Marquis, bonjour à tous. Affrontement Hanouna-Louis Boyard hein, sur TPMP, jeudi 10 novembre, les dessous de l'affaire. C'est une affaire qui m'a intéressé parce que cela va me permettre d'évoquer l'histoire de ce bateau, l'Océan Viking. Alors le mieux, bah, c'est d'écouter les deux protagonistes. Allez-y messieurs. Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Mais t'as mal, moi je peux le dire, bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça, est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Hein? Est-ce que je t'ai déjà appelé, moi? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés, alors arrête. Et je te dis quoi, moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire, parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé. Mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles, et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien. Laissez-le parler. On parle à des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Donc on n'a pas le droit de critiquer. Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire à un élu. Arrête de te la raconter, élu. Ou pas élu, je m'en bats les couilles, tu sois élu. Mais t'es responsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse. Tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. Vous vous rendez même pas compte. Mais vous parlez pas du sujet. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido, j'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Toi. Non, mais t'es sérieux? Ferme ta gueule. Ou quoi? Allez, t'es un irresponsable, Cyril. Toi, et tu fais du mal à la France. T'es un abruti. Tu fais monter le racisme en France. Moi. Et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais, moi, tous les jours. Il y a 200 gamins qui sont mis sous un pont à Ivry. J'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi, t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Et toi, non, mais t'es venu ici, tu prenais ton cachet, tu faisais la suite est connue. Ils vont en quelque sorte chasser Louis Boyard du plateau. Voilà le principal extrait de l'affrontement entre Louis Boyard et Hanouna. Alors, la première chose qu'il faudrait quand même rappeler, c'est que c'est Hanouna hein, qui avait donné la chance à Louis Boyard. Regardez-les, ils ont des belles coupes de cheveux à l'époque. Et si Louis Boyard a pu être député NUPES, eh bien, c'est grâce à Hanouna et Bolloré qui lui ont permis d'avoir une certaine notoriété. Sans cette notoriété, eh bien, Louis Boyard n'aurait jamais pu être député à 22 ans. Parce que qui était Louis Boyard? C'était un énième syndicaliste étudiant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Hanouna lui dit, ben, à l'époque, je te donnais ton cachet. Hein, il lui reproche, dans une certaine mesure, une forme d'ingratitude. Alors, moi, je ne vais pas défendre Hanouna. Sa vulgarité est indéfendable. Hein, il lui dit toute une série de choses. Je m'en bats, je ne sais pas quoi. Tocard, abruti, tais-toi. Il est d'une très grande vulgarité. Mais il y a une chose que l'on peut quand même reconnaître à Hanouna, c'est qu'il donne la parole en fonction de l'actualité à tous les intervenants. Et ça, c'est suffisamment rare sur le service public et sur les chaînes privées, qu'on peut au moins lui reconnaître cette qualité. Pour le reste, ce n'est absolument pas mon monde, ce n'est pas, comment dirais-je, ce que j'aime à la télévision. Je n'aime pas non plus ces affrontements de foire. Voilà. Maintenant, quand Louis Boyard accuse Bolloré, hein, en fin de compte, de donner la parole, bah, tout simplement, à une opposition. Louis Boyard voudrait qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il y ait une forme de doxa, comme dans un système totalitaire, et que tous ceux qui donneraient la parole aux adversaires politiques de NUPES, eh bien, devraient payer le prix, ils devraient être censurés. Bon, on a bien compris que ces NUPES n'aiment pas la contradiction, parce que lorsqu'ils sont face à la contradiction, eh bien, leur argumentaire s'effondre littéralement. Et puis il y a quelque chose, moi, qui me gêne, parce que lorsqu'il nous explique que c'est Zemmour qui a pu avoir une certaine forme d'audience hein, lors de la présidentielle, c'est archi faux. Certes, Bolloré a défendu au début Zemmour, mais c'était tout simplement pour pouvoir racheter Europe 1. Il faut savoir que Macron refusait que Europe 1 passe dans l'escarcelle de Bolloré. Eh bien, Bolloré a soutenu Zemmour et Macron a cédé. Il a permis à Bolloré de racheter Europe 1. Et après, évidemment, Éric Zemmour s'est fait véritablement vilipender par Pascal Praud.
dans l'émission qui porte son nom. Donc tout cela, c'est de la révision historique. Hein. Et quand Hanouna a dit « Nous, on vous a permis d'être élu », il parle de Louis Boyard, mais pour l'ensemble des députés de la NUPES, c'est une réalité aussi, hein, puisqu'ils avaient un peu leur ronde serviette chez Hanouna. Donc un procès d'attention. Après, le fait qu'un homme d'affaires puisse posséder un tel empire, c'est un scandale, et là je suis tout à fait d'accord, mais dans ces conditions, il faudrait supprimer tous ceux qui investissent dans les médias et qui sont des milliardaires. Il faudrait enlever Draghi, il faudrait enlever Drahi, il faudrait enlever tous ceux, même du service public, hein, qui maintiennent une sorte d'oxa de gauche très forte et qui refusent d'ailleurs le débat d'idées et la pluralité des journalistes. Bon, c'est un vaste débat. Il a voulu faire le buzz. Louis Boyard, il est arrivé, mais sur l'océan Viking, il a, je pense, desservi la cause. Alors, je voudrais, sur l'océan Viking, montrer une vidéo, hein, avant de montrer les vidéos, je voudrais juste montrer ce que disait Salvini à l'époque. Salvini disait cette chose juste, « Chaque migrant illégal à bord des luxueux navires des ONG a payé en moyenne 3 000 $ qui alimentent les trafics d'armes, de drogue et d'humains. » Matteo Salvini, donc, c'est Alexandre Delval, a raison de dénoncer les ONG sans frontières qui sont complices de cet immense trafic. C'est ce que je vous avais dit dans de très nombreux numéros. Les mafias s'enrichissent sur le dos des migrants. Et nous savons même que certains groupes intégristes financent leurs actions armées avec l'argent qu'ils ont eu pris à ces migrants. Donc on est dans quelque chose de particulièrement épouvantable. Et donc nos ONG, nos partis politiques nous font croire qu'ils sont généreux, qu'ils sont bons, qu'ils sont dans l'humanitaire. Non, ils se font les complices des mafias. D'ailleurs, ce genre de propos hein, que je tiens, c'est vous avez des dizaines et dizaines d'articles hein, écrits par des journalistes, hein, migrants, la mafia des passeurs entre la France et l'Angleterre, entre l'Afrique et la France, hein, c'est toujours la même chose. Mais pourquoi on n'en parle pas à la télé? Pourquoi on est toujours dans l'émotion et non pas dans la réflexion? Eh bien, c'est tout simplement Valeurs Actuelles qui nous apprend que derrière la stratégie culpabilisatrice et victimaire des ONG lobby pro-migrants se cachent George Soros et autres riches contributeurs, hein, l'Open Society. Ah, George Soros, hein, du World Economic Forum. L'homme qui a la main mise sur l'Europe. Eh bien oui, c'est pour cette raison que les médias ne s'opposent pas à George Soros. Il est tellement puissant. Et puis, George Soros finance toute une série d'associations qui se retrouvent dans ou qui gravitent autour de la France insoumise. Donc la France insoumise, c'est en quelque sorte le porte-parole de cette mondialisation. Vous en souvenez de ce que nous avait dit Jacques Attali ? Il n'y aura plus de nations. Les nations seront des hôtels où chacun pourra aller comme il le veut. Enfin non, parce qu'il y aura bientôt un passe carbone, hein, et ça sera essentiellement pour les riches. Pour les autres, ils seront cantonnés, bien sûr, à résidence. Voilà le monde dans lequel on nous met. D'ailleurs, quel est le meilleur moyen pour lutter contre ces mafias? Eh bien, c'est Thierry Mariani qui nous le dit. Hein. Votre réaction, tout simplement, à cette décision de la France hein, de laisser l'Ocean Victim accoster à Toulon? Je pense que c'est une erreur, parce que c'est un immense appel d'air. Désormais, eh bien, les bateaux de migrants savent qu'ils seront accueillis en Europe. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit envoyer un message qui est le meilleur moyen que les gens arrêtent de mourir en Méditerranée. C'est-à-dire, aucune entrée irrégulière ne sera tolérée. On a vu, par exemple, ce qu'a fait l'Australie il y a quelques années. Eh bien, ça a marché. Il faut faire la même chose. C'est-à-dire que ces bateaux de migrants, bien sûr qu'ils doivent sauver les gens en mer, qui n'est pas de malentendu, mais après, il faut les ramener au point de départ. Alors, le but, ce n'est pas de ramasser des bateaux à quelques kilomètres des côtes libyennes ou d'Afrique du Nord pour les amener en Europe, mais de les ramener à bon port, j'allais dire, à leur point de départ. Et alors, si vous permettez, j'entendais vos intervenants, le coup politique, ce n'est pas le gouvernement italien, ce n'est pas le gouvernement français. Le coup politique, il ne faut pas se tromper, c'est SOS Méditerranée, qui est une association subventionnée et soutenue par l'extrême gauche qui veut pousser à l'immigration irrégulière en Europe. Et donc le message ce soir, c'est bravo, SOS Méditerranée a réussi son coup, la France a perdu, et désormais, une fois de plus, les migrants savent qu'ils seront accueillis en Europe. Et voilà, le meilleur moyen évidemment de lutter contre ces mafias, c'est de leur couper leur marché et empêcher en effet que ce trafic continue, que ce marché d'esclaves continue.
Mais là, vous pouvez compter sur la NUPES, sur les socialistes et sur Emmanuel Macron pour permettre à ces mafias de se développer de plus en plus et d'accueillir de plus en plus de migrants. Alors, dans la classe politique, et tout notamment chez les patriotes, hein, bien la condamnation est unanime. Oui, la classe politique est unanime. Hein. Les LR condamnent aussi, bien évidemment. Et puis, nous avons de très nombreux patriotes. Hein, si on fait l'union des droites, Florian Philippot, lui aussi, dit une chose extrêmement intéressante. Hein. Ursula von der Leyen, celle qui s'enrichit avec nos impôts, dans une certaine mesure, elle ne les accueille pas beaucoup. Et puis, notre ami Dupont-d'Aignan dit aussi une chose très intéressante. Hein, c'est que l'Italie, elle, a su dire non. Mais nous savons qu'Emmanuel Macron, lui, cède toujours face à la pression européenne. Et nous comprenons pourquoi, hein, il est très lié au World Economic Forum. Mais que se passe-t-il réellement en mer? Eh bien, Charlotte Dornelas nous dit tout. Port n'est sûr, sauf, et alors là on découvre toute l'hypocrisie de ce discours soi-disant humaniste, sauf la Libye. Pourquoi? Parce qu'on a donné des milliards d'euros à la Libye pour traiter à notre place, entre guillemets, les cas de bateaux qui sont dans les eaux territoriales libyennes. C'est le fameux bras de fer entre Frontex et les ONG, parce que les ONG vont dans les eaux territoriales libyennes pour récupérer les bateaux, alors que nous donnons de l'argent à la Libye pour qu'elle récupère les bateaux quand ils sont dans ces eaux-là. Mais que les choses soient claires, en Libye, vu l'état actuel de ce pays, c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un port sûr si la Turquie ou la Tunisie ne sont pas des ports sûrs. Donc il y a une hypocrisie complètement dingue, une débauche d'argent complètement hallucinante. Et croyez-moi bien que la situation individuelle de ces migrants sur les bateaux préoccupe assez peu les gens qui nous font des leçons de morale. Voilà, en effet, l'histoire, le combat entre Frontex et les migrants. Et vous savez que Frontex veut être affaibli par l'Europe. Mais on pourrait être... Allez, on va être généreux. Ces migrants, ils vont arriver en France. Ils vont fonder des multinationales, des entreprises. Ils vont enrichir la France. Ça va être exceptionnel. Regardons un petit peu ce qu'il en est grâce à Hanouna. La police est en train d'arriver, regardez. On peut mettre ça peut-être... Pot avec du son, oui, s'il vous plaît. Oui. Alors Jean-Marc, la police me demande de m'écarter. Mais je reste en ligne avec vous. Ah bah reste en ligne, et c'est intéressant parce que c'est vous qui êtes écarté. Et pourquoi? Comment? Alors je suis journaliste pour la chaîne CNews et nous sommes actuellement en train de faire une émission en direct sur l'état du quartier de la Guillotière, savoir si ça s'est amélioré, s'il y a encore du trafic, car nous étions venus déjà il y a quelques mois. Donc on fait une mise à jour de la situation. Pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui sont signalées en présence. Oui. Ils s'inquiètent pour vous. Donc faites attention à vous. Oui, je me suis signalée auprès de la police municipale de ce matin. Ouais. Merci pour d'être revenue après. Oui, j'ai ma carte de presse. Oui, oui. Oui. Par contre, là, on est en direct, donc il va falloir que je la prenne. Au final, c'est quand même notre journaliste qui est contrôlé. Vous vous rappelez, il vient de lui demander sa carte de presse. Excusez-moi, il vient de lui demander sa carte de presse. Non, il vérifie sa carte de presse. Et il la protège. Vous rappelez de ce film, y a-t-il un pilote dans l'avion quand on voit passer des terroristes dans l'aéroport et que les policiers les laissent passer, puis il y a une vieille dame qui arrive avec sa canne et les policiers disent « Passez vite, fouillez-la ». Bah c'est ça, on est chez les fous. Alors ça c'est ça, bon, un blague à part. Vous constatez qu'en l'espace d'un quart d'heure, quand même, les policiers sont arrivés sur place. Mais ils sont arrivés parce qu'on est en direct, excusez-moi. Ils sont arrivés parce qu'on est en direct sur CNews, mais parce qu'ils regardent CNews et on a dû leur dire « Attention, il faut montrer une présence policière ». Ils sont bien équipés, visiblement. Messieurs, sur le fond... Excusez-moi, la France, on a... Mais ils sont en train de contrôler sa carte de presse. Non mais regardez, c'est surréaliste quand même. Ils sont en train de contrôler sa carte de presse. Mais enfin, on est chez les dingues. Ouais. Excusez-moi, on est chez les dingues. C'est elle qui se fait contrôler. On a à côté des vendeurs à la sauvette qui vendent des cigarettes. On a à côté des gens qui sont en situation illégale et qui nous le disent face caméra. Et celle qu'on contrôle, c'est notre journaliste et on vérifie sa carte de presse. Vous, en une image, excusez-moi. Attendez, vous avez en... Je suis pas sûr, parce que là, tous les policiers sont là. Hein, vous avez devant vous la preuve en image, d'accord, de la préférence étrangère et de la haine de soi, qui est l'axe de la politique gaucho-progressiste poursuivie en France depuis 40 ans. Tout ce qui est étranger bénéficie, je ne sais pas, d'une forme d'immunité ou de privilège. Combien de trafiquants ils ont contrôlé là? Pas un. C'est hallucinant, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Je crois que
Les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons plus de 11 millions de pauvres en France. La France est en train de devenir un narco-État. Je vous ai expliqué cela dans différentes vidéos. Mais la gauche NUPES nous explique qu'il faut accueillir de plus en plus d'immigrés. Il n'y a pas véritablement de travail, donc ils fournissent des bataillons. Ah, la délinquance. D'ailleurs, un préfet de police nous avait dit « Mais comment voulez-vous qu'il résiste aux sirènes de la délinquance ? Il faudrait qu'il soit décent. » Voilà, voilà, voilà l'histoire. Alors, je voudrais terminer cette vidéo par un mystère, et vous allez peut-être m'aider à résoudre ce mystère. Bon, c'est assez clair, hein, même si on ne parle pas espagnol. En Espagne, il y a une augmentation mystérieuse de la mortalité. Tiens, mais qu'est-ce qui a pu provoquer cette augmentation de la mortalité ? Eh bien, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Oui, je crois que vous avez à peu près tous la même pensée. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et merci à tous. Bye bye.